Oh, ça me touche. Vas-y, ça me saoule. Ah. Mais tu es chaud et plus ça t'énerve. Yo la team, aujourd'hui on va faire des trick shots. Pour ceux qui ne connaissent pas, les trick shots c'est ça. Dudes, perfect les gars. Les dieux du trick shot, on leur a tout appris, vous allez voir ça tout de suite. Vous allez voir, le niveau d'expertise est extrême. La petite particularité, que ce n'est pas juste des trick shots où on va rester immobile pour essayer de faire des trucs extrêmes. On veut aller plus loin que ça. Non, on s'est dit, allons révolutionner le trick shot. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de ratés. Déjà les gars, les trick shots juste où tu restes immobile, tu lances un truc, c'est chaud. Mais là, les challenges vont être de plus en plus durs tout au long des vidéos. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que je pense qu'à la fin, il y a des challenges qui risquent d'être quasiment impossibles. D'ailleurs les amis, on en profite pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Pour ceux qui vivent dans une grotte, les gars, Red Shadow Legends, c'est le jeu mobile du moment. Tout le monde en parle, et depuis que j'y joue, j'ai totalement compris pourquoi en fait. Pendant que je vous parle, je suis en train de faire un petit donjon où je bute un dragon. Et il est pas dispo que sur téléphone, il est aussi dispo sur ordinateur. Tous les liens sont disponibles dans la description pour le télécharger. Pour les vrais qui le savent, je suis un fan des MMO à la base, donc je me fais hyper kiffer. En fait, le principe, c'est que t'as des champions qui peuvent être de plus en plus rares, voire légendaires, et tu les fais progresser, monter de niveau. Tu peux faire des donjons, tu peux récupérer de l'équipement, tu peux aussi faire du joueur contre joueur avec des arènes. Personnellement, moi, je joue le champion Galek Suprême. C'est un champion épique, il est vénère sa race, ça doit one-shot tout ce que tu veux, du coup c'est juste hyper satisfaisant. Quand même, je vais te présenter ma championne, parce que moi c'est une championne rare. Elle s'appelle Marquée, c'est une barbare, elle est blonde, jolie, super forte, et en plus de ça, elle est super badass. En fait c'est un peu moi, mais en mode viking quoi. Fais gaffe à ce que je sorte pas avec elle. Ce que je kiffe le plus dans ce jeu, c'est monter les niveaux, débloquer les personnages légendaires ou rares. Avec un équipement, après t'es invincible, t'es juste le roi du monde, tu tabasses tes ennemis, tu fais des harakiri comme ça. Ben voilà, en fait t'es invincible, tu fais ce que j'ai fait à Mel, mais x1000, tu one-shot tous tes ennemis. Bref, si tu veux tester Red Shadow Legends, le jeu, je te rappelle, est gratuit, disponible sur PC ou sur mobile. Tu cliques sur le premier lien en description, ou tu peux aussi scanner le QR code qui est affiché sur la vidéo. Et le gros plus avec ce lien, c'est si t'es un nouveau joueur, tu vas avoir plein de cadeaux pour toi. Tu vas avoir un champion épique, un boost d'XP, plein d'argent virtuel et plein d'autres cadeaux. Du coup, t'as un champion super vénère sans payer, et ça dès le début du jeu. Ça, c'est cool. On dirait une américaine, ok? On retourne tout de suite à notre trick shot. Premier niveau de difficulté, 5 sur 10. Ça va augmenter, ça sera de plus en plus dur. Je vous explique ce trick de l'enfer. J'ai cette jolie balle. Passer. Avec laquelle je dois passer d'ici à là, arriver ici, avoir la tête à l'envers. Ma balle, je dois la lancer. Elle doit passer à travers celui-là, celui-là, et atterrir énormément dans ce trou. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'on le plaque en moins de 5 essais. Alors, du coup... Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Essaye. Mais si je perds, là... Ça y est, Serge Le Michaud, il revient. Ma réputation est en jeu. One shot, let's go. Voilà. Je suis désolée, maman, elle était trop petite, la balle, elle a fait... Déjà, balancer un papier dans la poubelle à 2 mètres, c'est un trick shot pour Mel. Oui, alors, enfin, quand je dois te viser avec un caillou, t'inquiète que je vise très bien. Ok. Oh. Allez. T'as trop d'élan, je t'ai dit. Cochon pendu, tu sors ta petite balle. Oh, j'étais pas loin. À moi. Du coup, moi, je vais garder la balle dans ma main parce que j'ai des grandes mains. Selon Mélanie, je triche, mais hop. Nope. Oh non. Imagine que toi tu galères avec tes mains, alors imagine moi quoi. Regarde, premier coup. Oh non. En fait les gars, c'est hyper chaud parce qu'à l'envers, quand t'as la tête en bas, t'as tous tes repères qui sont modifiés. Oh punaise, mais c'est trop près le truc. Tu vois là, je fais un passage, je le fais parfaitement. Ça aurait été le meilleur trick shot ever, t'imagines, il serait rentré dedans. You can do it, you can do it. Non. Il fait bouffer la balle par un chien. Entre toi et moi, le premier qui passe le trick shot, ça fait passer tout le monde au niveau suivant, au niveau 2. Je vous fais un petit spoil, Le spoil, on va vomir. Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que moi, j'ai une difficulté que Charles n'a pas parce que tout bouge. C'est parce que je maîtrise le truc que ça bouge pas. Non, mais arrête de faire pas bouger le truc. Ça change rien, t'as triché, ça passe. Ah,
Mais non, tu l'as mis dedans. Mais non. Non, mais t'es sérieuse, tu l'as vraiment mis dedans. Sur ma vie, je l'ai mis. Sur ma vie. J'ai l'honneur de vous dire qu'elle est rentrée. Qu'elle est rentrée, mais vas-y. Calme-toi, calme-toi. Franchement, je sais pas comment t'as fait pour louper, parce que c'était plus facile quand il y avait rien qui bougeait. Why you mad, bro? On passe au niveau 2. 1-0 pour toi. Bon là les amis, on va attaquer le niveau 2, on va mourir. On va être sur du vomi sur 10 aussi, vous allez comprendre le truc. On va monter sur cet engin de torture avec une balle dans la main. On va se lancer, tourner à fond et on va devoir lancer à l'aveugle la balle qui va devoir passer par-dessus cette barre en métal pour finir dans le petit récipient ici. Et ça c'est que le deuxième niveau sur 5. Maman, j'ai peur de le faire celui-là. Au moins c'est bien Charles, il teste en premier, comme ça c'est dangereux, on fait pas ce tri. Tu l'as mis ? C'est une blague ! En vrai, tu vois, ça se fait, hein ? C'est réalisable. Parce que le truc, tu vois, il accélère au fur et à mesure. Et faut pas attendre d'être à la fin pour la lancer, parce que c'est là où t'as le plus de vitesse. Mais c'est chaud, franchement, c'est chaud. Allez, j'ai envie de déclarer forfait. J'ai la tête qui tourne et tout, je suis en train d'hyperventiler, j'ai peur. Mettez le hashtag poule mouillée si elle déclare forfait, les gars, je vous promets. On met le hashtag poule mouillée en masse dans les commentaires. Tu le tiens, tiens-le. Oui, s'il je le tiens, plaît, je tiens. 3, 2, 1, allez, ferme, allez, 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 ferme. Tu l'as balancé la balle, tu l'as balancé là-bas. Je te jure, je t'ai vu, t'as fait. Allez, à moi, let's go. Allez, on va le faire ce trick shot, let's go. Oh, c'était so close. Moi, je me donne encore 2 ou 3 essais et ça passe pour sûr. Ah mais c'était bien, au moins t'as tiré dans le bon sens, tu vois, cette fois-ci. Par contre, j'ai vu ta tête. Oh, j'espère qu'au ralenti, on aura cette tête-là. Oh là là, c'était magnifique ce que j'ai vu. Oh non. Vas-y, là, les amis, je pense qu'en 5 essais, on l'a. J'ai fucking mal. À moi. Celle-là, les gars, c'est la bonne. Oh non. Ah, ça me fait trop mal. Eh ouais, ça brûle, ouais. Les gars, je vais continuer ce challenge, ce trick shot tout seul parce que ça défonce les bras de Mel. C'est pas ça, c'est que je suis tellement galante que je lui laisse un point d'avance. Ouais, un point d'avance, non, je veux juste égaliser, moi. À moins que... Oh, oh c'était à ça. Ah, ah, ah. Je suis choquée. Pour de vrai? Je la vois pas, hein. Arrête! Arrête! Il y a un partout. On a réalisé 2 trick shots sur 4 ou sur 5. Il y en a un bonus à la fin. Let's go pour le troisième. Les gars, on passe au troisième challenge. Pour moi, personnellement, c'est une difficulté de 10 sur 10. Ça va être infaisable, ce challenge. On a testé rapidement 2-3 trajectoires de balles. C'est l'horreur. Il manque parce que ça fait plus que rapidement qu'on y a passé au moins 20 minutes déjà à tester. Il va y avoir une version Charles, une version Mélanie. La version Charles, c'est un salto avant. Et la version Mélanie, c'est un saut roulade. Juste après la roulade de Mel ou mon salto, on balance la balle sur cette première plateforme. Puis elle doit ricocher sur la plateforme à l'opposé. Poser pour ensuite re-ricocher et atterrir dans la cible ici. Déjà, c'est un exploit de toucher cette plateforme et ricocher sur celle à l'opposé. Rien que ça déjà les gars, c'est ultra chaud. Combien de saltos je vais faire? Combien de sauts vas-tu faire? Telle est la grande question. Mettez-nous dans les commentaires vos pronostics. On est parti tout de suite. Let's go, on va tryhard. Oh, du premier coup, j'arrive à toucher les deux plateformes. Alors par contre, là... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais putain, ça y est, elle triche là. Oh Serge, là, rentre chez toi. Là, je suis chaud. Franchement, je vais l'avoir. Allez, Mélanie. Let's go. Mais t'as loupé la cible, la première cible. Vas-y, ça me saoule, j'en ai pas envie de jouer. Ton challenge, si tu l'acceptes, Mélanie, et je le dis devant tous nos abonnés, c'est que tu touches les deux plateformes. Je vais prendre une base de tennis, et si genre je foire, je la balance sur la gueule de Charles.
petit pont. Bon bah les gars, j'ai réussi à rater la première cible, c'est chaud. Bon allez, à partir de là les gars, montage, tryhard, let's go. Mais non, ça compte pas. Quoi, on valide au moins un demi-point. Allez, t'as un demi-point. Du coup, j'ai encore un demi-point. Mais non, c'est pas rentré dedans, c'était à côté. Oh, viens, on l'écarte un peu. Viens, on le met là. C'est quoi là? Je suis sûr qu'avec ces modifications, 3 essais, ça passe. Voilà, l'énergie est bonne. Allez, reste un peu. Là, ça passe. Nope. Non. Voilà dans quel état ça rend mêle de faire des trick shots de fou. J'en ai enchaîné 5 ou 6, j'en peux plus, j'ai mal à la tête. 3 essais, ça passe. Arrête. Non. Hey, j'espère que tu vas aller les ramasser hein. J'espère que tu vas aller les ramasser hein. Putain, j'ai été presse, ça me saoule. Ça fait une heure qu'on est dessus, on n'y arrive pas du tout, c'est mort. Ouais, mais là tu vois, j'ai fait tomber le t-shirt, ça va mieux passer là. Lâche rien. Oh, ça va trop vite dans cette direction, du coup la cible on va la mettre comme ça. Ok, donc les amis, là vous allez taguer Dudes Perfect à fond pour qu'on ait un cours avec eux. Franchement, on a réussi les deux premiers, c'est un échec sur le troisième. On passe tout de suite au quatrième challenge, on risque de le réussir. C'est parti. Pour ce quatrième challenge, nous avons un obstacle de jambes qui va être plutôt difficile et très très casse-gueule. Pour la version de Charles, Charles devra passer ses bouliers. Un pied sur chaque boule qui tourne, je saute sur le trampoline, j'accroche à une main, je balance avec l'autre main la balle par-dessus la barre pour qu'elle atterrisse enfin dans ce petit réceptacle. Pour la version de Mel, il n'y aura pas de trampoline, il y aura juste un tapis. On va faire un deal, vous et moi. Si je le one-shot, vous vous abonnez à la chaîne Charles et Mélanie tout de suite. Yes, ça passe. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bébé, j'ai peur. Là, vraiment, le boulier, il me fait vraiment peur. Je vais enlever le trampo, ça va être au tour de Mélanie. Bon courage à elle, parce que le boulier, ça va être son gros obstacle. Ça fait un refus. Plus tu réfléchis, moins ça marchera. Si je tombe, je me casse une côte. Et du coup, ça fera de toi une meuf sous-côté. Elles sont super éloignées et tout, et elles bougent. C'est le principe d'un boulier. Mais putain, c'est la première personne que je vois passer le boulier au ralenti comme ça. Normalement, tu te pètes la gueule quand tu passes au ralenti. Tu conserves ta vitesse. Non, je crois pas. C'est tellement tricky quand tu le passes. Allez, mais c'est quoi toute cette attente là? T'as vu comment je le passais? Normalement, tu l'envoies direct la balle. Try again. Allez, allez, allez. Vas-y, ça me saoule. Mon petit doigt me dit que tu rages. Oui. C'est quoi là, maintenant t'arrives à passer le boulier easy. Nickel, je suis trop content, elle a appris à comment se passer le boulier. Elle avait grave peur, c'est sa bête noire ici. Nickel. Le mental là, plus tu échoues et plus ça t'énerve. Putain, c'est passé en dessous encore. Oh! Oh oui!
Attends. C'est rentré dedans et c'est ressorti. Magnifique, je veux un replay magnifique. Cinquième challenge, cinquième trick shot, let's go. Les amis, pour ce cinquième et dernier challenge, nous allons devoir ici sauter. Je l'ai ultra bien passé pour une fois. Vous faites un pas, vous allez prendre une petite balle que vous devez faire ricocher deux fois. Une fois ici, une fois là, et qui doit atterrir au milieu de la cible. C'est pas si facile que ça. Est-ce qu'à la fin de la vidéo, je pourrais casser le panier? J'ai envie de le fracasser, parce qu'il nous a fait chier. C'est parti les gars, premier essai. Si je one shot encore une fois le deal tient, vous abonnez tous. Let's go. J'ai fait 3 rebonds et j'étais, mais pas du tout, mais alors pas du tout proche de la cible. À toi. Allez. T'avances pas trop. La meuf, elle a presque one shot le truc, elle a zéro réaction. La meuf, c'est un robot. Tu comprends? Tu viens de défoncer la seule balle qui pour moi était porte-bonheur. J'ai pas fait exprès. Après, le... le mec trouvait quand même qu'on n'avait pas du tout assez de challenge. C'était pas assez dur comme ça. Je me suis lancé dans une merde sans nom. Allez. C'est bon, je me suis calibré. Yes. Oh, hop là. Comment finir la vidéo en beauté les gars. Bon, je peux quand même le tester. Vas-y, bah bien sûr, je veux voir le replay les gars. What, mais ça c'est trop bien. Qu'est-ce que t'es en train de faire? La meuf, on dirait une araignée qui pond des œufs là. On dirait t'as des œufs dans le ventre là, c'est dégueulasse. C'est là. Pour mettre toutes les chances de mon côté. Eh mais t'es ce qu'on dit pourtant? Faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est ça. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. On va finir la vidéo sur ça. Je veux que vous vous abonniez en masse parce que on a fait 4 sur 5 trick shots, c'était exceptionnel. Je veux que vous mettiez un pouce bleu. Et sur ce, on se voit ce soir sur Twitch à 20h. Et samedi prochain sur YouTube. Peace les loulous. Nani.